สวัสดีครับ สวัสดีบองชูอองไตหลงโอเคจะมาเปล่าชินนะพงไม่จะเวียงอองไตหลงก่อนนั้นโอเคโอเคอลอมาเตสมาเตสเอลคอนเซนเดแคปเตอร์ parce que dans notre vie quotidienne maintenant il y a des capteurs qui sont installés partout autour de nous par exemple il y a des capteurs de mouvement il y a des capteurs de température qui sont installés dans le bâtimentIl y a aussi des capteurs vidéo, par exemple ces caméras là-bas. Et capteurs audio, par exemple le micro. Ouais, mais est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on sait bien les utiliser? Non, pas vraiment. Parce qu'on n'a pas les moyens de traiter cette masse d'informations. Dans ma thèse, je propose le nouveau système de traiter des données qui sortent de capteurs multimédia.Grâce à la technique qui s'appelle ontologie pour des capteurs multimédia, ils permettent de créer le nouveau système de traiter des données qui sortent par des capteurs. Et ils permettent aussi de créer le nouveau langage. Donc, je propose le langage qui permet de vous de définir des événements qui vous concernent vous-même. Par exemple, si vous installez des capteurs chez vous, vous pouvezDéfinir un événement comme l'accident de votre grand-mère ou votre fils fait pas le devoir, par exemple. Et on peut détecter les événements comme ça automatiquement. Et la police, il peut aussi définir un crime, par exemple, un braqueur, un cambriolage dans la ville. Et mon système, il peut détecter cet événement automatiquement, sans l'aide d'informaticiens qui sont toujours incommunicables.Et franchement, vous êtes d'accord avec moi? OK. Actuellement, concrètement, je viens de développer le premier prototype de ma thèse. Mon prototype, il applique à une salle de réunion intelligente. À quoi ça sert? Mon prototype, il permet de créer le bilan de réunion automatiquement et identifier le point d'important dans la réunionSans traiter manuellement par le secrétaire. Donc, on peut définir un événement comme changement de présentateur, fin de présentation, point d'important dans la réunion. Et on peut définir un événement comme, par exemple, changement de présentateur. C'est comme quand le présentateur dit merci pour votre attention. Alors, merci pour votre attention. Bravo! Merci, Chinapong. Ang Chouchou Metsé. Exactement, incroyable. Génial.